On est là pour préparer les avocats, puisqu'on est, nous sommes une école professionnelle, pour préparer les futurs avocats à être de bons avocats qui respectent l'éthique de la profession et la déontologie. Dans la culture ordinaire de tous les jours, l'avocat, c'est le menteur, le mercenaire. Je trouve que c'est intéressant de montrer l'envers du décor, le travail qu'il peut y avoir en réalité derrière tout cela, au-delà des préjugés, au-delà des... qu'est-ce que ça recouvre, la défense de quelqu'un qui est accusé d'avoir commis un crime. Se mettre en situation réelle, avec des dossiers réels, pour acquérir la meilleure expérience qui soit, pour être plus fort dans la pratique réelle. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va évoquer un dossier qui concerne une personnalité du monde du sport, du rugby plus particulièrement, Marc Cessillon, qui était joueur emblématique de l'équipe de France, qui était un joueur très connu localement, Bourgoin-Jallieu, ce club qui est pas très loin de Grenoble et Lyon, et qui s'est trouvé mêlé à une affaire très spectaculaire, très brutale, puisqu'il a tué son épouse lors d'un repas avec de nombreux convives. Et les faits se sont déroulés devant un parterre médusé, qui ont vu une scène de ménage classique, une dispute en apparence. Marc Cessillon s'en va, et il reviendra quelques temps plus tard, armé d'un pistolet chargé, et tirera à plusieurs reprises sur son épouse, la tuant. Ce dossier, vous l'imaginez, a fait l'effet d'une bombe. Et elle est intéressante pour nous parce qu'au fond, vont être mêlés plein d'aspects. D'abord des aspects humains finalement à la fois dramatiques et cachés d'une certaine manière. La personnalité réelle de Marc Cessillon se révélera au fur et à mesure de cette procédure et de ses procès. Son mal-être également. Apparaître deux stratégies parce qu'il y a eu deux procès, un procès en première instance et un procès en appel, et Marc Cessillon va changer d'avocat entre le premier procès et le deuxième procès. Il y a un premier procès qui va se dérouler à la cour d'assises de Grenoble en 2006, en novembre 2006. C'est un confrère de Lyon, Maître Zelmati, qui va défendre Marc Cessillon. Ce procès va faire apparaître dans l'idée de la défense qu'il était important de rappeler qui était Marc Cessillon. C'est-à-dire qu'on va faire venir le banc et peut-être même l'arrière-banc du monde du rugby qui venait d'écrire un personnage, ce qu'ils en pensaient, ce qu'ils en ont connu, un personnage pour eux presque mythique, héroïque, et qui, c'est l'impression que cela a pu donner aux observateurs et aux chroniqueurs judiciaires, cette image a pu être en décalage complet avec la réalité du dossier de l'instruction qui était beaucoup plus noire. En deux mots, si on voulait caricaturer, les témoins venaient dire « c'est un capitaine héroïque, un joueur fantastique, etc., une personnalité géniale ». Et le dossier montrait un être à la dérive, sans doute surprotégé par son club, qui vivait très mal sa fin de carrière, surprotégé par son club et peut-être par sa ville. J'ai reçu Chantal Musano, épouse Cessillon, à mon cabinet en juillet 2004. Et elle venait se renseigner sur les possibilités de se séparer de son mari. En clair, elle envisageait une procédure de divorce. Et à l'issue du rendez-vous, elle avait dans l'idée de revenir en septembre pour engager cette procédure qu'elle savait comme étant une procédure difficile. Et ensuite de cela, moi, j'ai appris durant le mois d'août de ce que le drame était arrivé. Elles ont ensuite été convoquées devant le juge d'instruction, les deux enfants, Angélique et Céline, ainsi que la mère de Chantal. Et à ce moment-là, elles sont revenues vers moi. Et donc, je suis intervenu à l'instruction. Alors, moi, je suis intervenu un peu plus tard. L'instruction avait été entamée.
La sœur de Chantal, donc la victime, et son frère ont souhaité aussi se constituer partie civile. Du coup, c'est la maman donc de Chantal hein, qui s'est rapprochée de Xavier Rodamel. Et Xavier a pensé qu'il serait peut-être bon qu'il y ait deux avocats et pas uniquement pour toutes les victimes, qu'on arrive à faire un distinguo entre finalement les filles, la maman et puis les frères et sœurs. Voilà, et puis peut-être aussi parce que quand il y a beaucoup de parties civiles, c'est pas mal qu'il y ait plusieurs avocats. Cette démarche pour se renseigner avec une perspective de divorce, Marc Cession donc l'a appris, mais lui, il l'a mise en relation avec le plus grand échec de sa vie. Au moment où il l'apprend, il n'est plus le rugbyman qu'il avait été, il est plutôt donc en retrait de tous les terrains de rugby, et il se rend compte que si cette femme qui lui a tout donné disparaissait de sa vie, ben, peut-être lui ne serait plus grand-chose à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est l'histoire de Marc Cession? C'est l'histoire d'une star qui ne parvient pas à accepter sa reconversion. Sans doute l'a-t-il mal préparé. Et donc il va basculer de grand club en petit club, de la sobriété vers l'alcoolisme. Même chez lui, la famille tourne autour de ses absences, de sa carrière. Et quand il rentre définitivement chez lui, il casse les équilibres. Mais tout ça, il n'en a pas conscience tout de suite. Donc ça aggrave sa dépression, il est dans une dépression très lourde. Et donc il se met à picoler, avec tout ce que ça génère. Ça n'améliore en rien sa situation psychologique. L'affaire de Marc Cession débute à un moment où il n'est pas encore oublié et où il jouit encore de son aura de joueur de grande classe pour Bourgoin. L'éclairage qu'on met dessus, et de ce crime exceptionnel et de cette personne exceptionnelle, donne tout de suite hein, de l'intérêt finalement à la chose. Est-ce que pour autant, pour l'expert qui va être nommé, les experts qui vont être nommés, il y a quelque chose de très différent par rapport à un homme ordinaire? Non, on va aborder les choses en tenant compte de sa réalité, mais en se posant la question, est-ce qu'il existe une souffrance? Est-ce qu'il existe des anomalies psychiques? Est-ce qu'il existe une vision de la réalité qui n'était pas celle de tout le monde? Est-ce qu'il existe des événements qui ont influencé son comportement? On va se lancer dans une expertise, j'allais dire banale, avec un homme pas banal. Également repérer quelque chose dans l'expertise psychologique qu'on a au dossier, notamment sur le fait que la carrière sportive semble avoir un petit peu aggravé le côté un petit peu narcissique de Marc Cession, puisque l'expert dit lui-même, voilà, la brillante carrière sportive de Marc Cession a exagérément majoré des traits narcissiques et l'orgueil, la fierté, le sentiment de supériorité se sont trouvés effondrés lorsque cet homme, avec toute ressource celle fondée sur cette carrière, a dû l'interrompre, peut-être un peu trop brutalement. Ainsi, les traits pathologiques de sa personnalité qui pouvaient rester dans l'ombre de son succès se sont révélés rapidement et cruellement. Oui, comme si la carrière sportive avait été un paravent, quoi. Un écran. Mm-hmm. Et que lorsqu'on enlevait l'écran, voilà. Il se révélait. Les failles. Ouais, c'est vrai. Oui. Ça valide ton idée que tu venais développer. Ceux qui, comme moi ou comme tout un chacun, regardent le rugby et savent que nous avons affaire à un athlète hors norme, si vous voulez, avec une masse pondérale très impressionnante. C'est un mec 96 donc de muscles, une détermination, un physique de gladiateur et de fonceur. Donc on a ce physique-là, ce monolithe extrêmement solide et en même temps qui est tiraillé par la fragilité. Donc appeler à l'aide, ça n'est pas Marc Cession. Mais en tout cas, il avait vraiment besoin d'aide. Et on ne pourra jamais reprocher à celle qui fut son épouse, de ne pas avoir tout fait pour essayer de lui apporter cette aide, avec bien sûr ses enfants et sa famille. Il n'acceptait pas que sa femme puisse se séparer de lui, et il n'acceptait pas de perdre de l'autorité sur son monde.
Et son monde, c'était le rugby qu'il avait déjà perdu. Son monde, c'était son épouse, mais qu'il maltraitait, que ce soit verbalement, on a des messages sur les répondeurs qui sont assez inaudibles, que ce soit physiquement avec des maîtresses, qu'elle le savait. Donc, il se permettait des choses qu'elle ne se permettait pas. Et en revanche, il voulait toujours avoir l'autorité sur, sur ses proches. Donc, moi, j'ai estimé que c'était un crime d'orgueil. Et quand il lui dit, au moment du meurtre, quand il lui dit, il s'approche de la table des femmes et il dit à son épouse, « Maintenant, tu viens avec moi, on rentre. » Elle lui dit, « Non, tu peux toujours compter là-dessus. » Et c'est à ce moment-là qu'il dégaine. Parce qu'elle n'a pas voulu le suivre. Elle serait sortie, vraisemblablement, il serait rentré chez eux. Et l'arme serait restée dans le pantalon. Cette soirée, c'est le point culminant parce que elle est invitée, lui arrive, il a déjà bu, les amis voient qu'il est dans un sale état, il insulte, enfin il y a une première rixe, donc il est mis dehors. Et ça, c'est un affront pour Cécillon. Elle, elle reste et lui, il est mis dehors. Ça, c'est assez insupportable parce que c'est lui la star. Normalement, c'est lui qu'on aime, c'est lui qui doit rester, c'est pas Chantal. Et il sent que petit à petit, les choses bougent de ce côté-là, enfin que ça bascule un peu. Il sait qu'elle veut le quitter. Il va soutenir qu'il a pensé qu'elle avait un amant, etc. Mais ça, personne n'y croit, ça ne tient absolument pas. C'est sa façon à lui de s'orienter vers le crime passionnel, parce qu'il faut bien donner des raisons à des gestes comme ça. Et voilà, mais moi, je pense en effet, comme Xavier Rodamel, hein, qu'il n'a pas supporté cet affront qu'elle lui a fait en public. Et Chantal n'avait pas l'habitude de ça. Chantal, elle protégeait les frasques de Marc Cécillon, elle passait chez les commerçants après pour payer la casse, alors qu'il avait bu, qu'il était avec des nanas, etc. Elle mettait son orgueil, elle, dans sa poche, et elle y allait. Et elle était celle qui réparait. Et tout d'un coup, elle est celle qui sépare. Elle dit d'abord que c'est terminé. Et en plus, devant tout le monde, devant cette table d'amis, entourée de ces femmes, non, tu peux toujours courir. Enfin, c'est à peu près la réflexion qu'elle va lui faire. C'est hors de question, je ne rentre pas avec toi. Moi, je reste et je m'amuse. Et toi, tu pars. Et ça, ça a été, ouais, je pense, l'affront ultime, quoi. Insupportable. Donc, il rentre, il prend une arme, il revient. Et puis, il lui dit, bah là, maintenant, tu viens. Non, toujours pas. Boum, il tient. Tu ne crois pas qu'on soit dans la passion? Mais on peut être dans comment tu me prends même ça. On m'a pris ma gloire, on m'a pris ma position sociale, on m'a pris mes sous. Hein, j'ai plus de quoi vivre comme avant. J'ai plus la reconnaissance de coach. De quoi je vais vivre, vivoter en étant employé municipal. Qu'est-ce qui m'attend? Et en plus, tu pars. Je perds en plus cette perle-là. Il ne me reste plus grand-chose. Et tu t'en vas en plus. Donc ce n'est pas vraiment de la jalousie, c'est bien une espèce de faire, me faire ça à moi. Hein. Et toi, tu devrais être jusqu'au bout solidaire de moi et tu ne l'es pas. Rien n'a été contesté par Marc Cécillon de bout en bout. C'était une évidence, si vous voulez. Donc on peut dire pour l'avocat qu'il y a, entre guillemets, une certaine facilité. Mais ensuite, il y a cette exigence de comprendre le pourquoi de son geste. Le pourquoi de son geste. Et là, c'était une difficulté. Lui ne s'ouvrait pas. Ne s'ouvrait pas parce qu'il était donc pétri par le remords, pétri par la honte, et il était très difficile de le faire communiquer. J'ai l'impression qu'il n'avait pas encore tout à fait réalisé à quel point il allait redevenir un homme normal, alors que sa femme l'avait très bien réalisé depuis le début. Non pas qu'elle ait refusé forcément d'être avec un homme normal, mais d'être avec un homme normal qui est celui des excès, celui qui se comporte par moments comme un gosse, qui est de façon répétitive avec les mêmes copains, les mêmes histoires, les mêmes trucs, bon, ça c'était peut-être un peu lourd. Mais je pense qu'elle était dans une position où elle était plus mature et plus à distance de la réalité quotidienne que lui, qui peut-être se décile d'un coup, des coups, non seulement qu'il n'est plus l'idole, mais que celle qui l'a compris le premier, c'est sa femme. Elle devient, à la limite, le miroir, celle qui lui renvoie, mais regarde qui tu es en réalité. Tu es un type qui a eu des choses bien, mais maintenant tu es un mec ordinaire. Il faut que tu te débrouilles pour être un homme ordinaire et pas. Tu ne peux plus compter
sur l'appui, le soutien, les flatteries, la camaraderie comme ça, sans lendemain. Il faut que tu te réalises que tu dois vivre, tu dois prendre des responsabilités, poursuivre tes responsabilités à l'égard de tes filles, etc. Et je pense que ce rappel à la réalité était dur. Regardez maintenant le premier procès, le procès qui s'est passé à la cour d'assises de Grenoble après cette instruction qui a duré plusieurs années. On va se retrouver à Grenoble, on est en 2006 et nous allons regarder un petit peu comment s'est construite la défense de Marc Cécillon et quels sont les problèmes qu'elle a pu rencontrer. Donc se posent plusieurs problèmes. L'accusation dira qu'il y a eu un assassinat parce qu'il y a eu préméditation. On a tué avec la préméditation de tuer, la volonté, l'organisation et la préparation de ce meurtre. Qu'est-ce qui signait, selon l'accusation, la préméditation? C'était ce départ, ce temps, trois quarts d'heure. Il faut partir, chercher le pistolet, revenir et décharger l'arme sur la victime. Ça signait, selon l'avocat général, la préparation. Donc l'assassinat. Nous, au départ, on avait maintenu la question de la préméditation, parce que juridiquement, la préméditation, il faut très peu de temps pour qu'on considère que ce soit prémédité. Donc le fait d'aller chercher une arme, de revenir et de tirer, la Cour de cassation l'avait dit, ça peut caractériser, c'est ce qui avait été retenu par le juge d'instruction, la question de la préméditation. Alors, replaçons ça dans un contexte juridique. D'abord, un assassinat, c'est quoi? C'est un homicide. Un homicide, c'est le fait de donner la mort en voulant donner la mort. Hein, ce que vous cernez bien, c'est la volonté, l'animus nécandi, la volonté de tuer est établie, doit être établie en tout cas par l'accusation. Et l'assassinat, c'est le cran au-dessus, c'est-à-dire cette volonté de tuer a été organisée et préparée. Il n'était pas lui-même pour plusieurs facteurs. Donc l'alcool, son mental, les circonstances, le rejet du monde du rugby, donc ponctuel à ce moment-là, ça n'était pas le même Marc Cécillon. Et que la seule notion qui pouvait lui être reprochée, c'est de dire l'arme que vous aviez dans les mains, elle avait un pouvoir létal. Mais il y a aussi l'esprit qui commande. Eh bien, son esprit n'était pas au rendez-vous. C'est si vrai que le docteur Lamothe, donc expert psychiatre dont la réputation n'est plus à faire, avait conduit donc à cette conclusion. Non, Marc Cécillon n'avait pas prémédité son geste. Il ne l'avait pas prémédité. En tout cas, il n'était pas en capacité de le préméditer. Je ne suis pas sûr qu'il ait la force mentale de prévoir. C'est quand même dur de prévoir de tuer quelqu'un. Tous les gens que j'ai vus qui ont fait des crimes prémédités, il faut avoir plus qu'une simple pensée opératoire. Il faut être animé par une force qui ne désempare pas. Il ne faut pas d'ambivalence, il faut... Hein. Moi, je crois qu'il oscille, il a de temps en temps un sursaut. Mais je ne suis pas tombé si bas, mais si, je suis encore quelqu'un. C'est pas parce que je picole, c'est pas parce que si, parce que ça, que je ne suis pas encore Marc Cécillon. Il a accepté toute la reconstitution. Et puis au moment de prendre l'arme et de tirer sur, c'était un policier ou une gendarmette, je ne sais plus qui une gendarmette qui était censée jouer le rôle de Chantal, à ce moment-là, il a refusé de faire le geste, de prendre l'arme, de pointer l'arme. Et donc là, c'est un autre gendarme qui a joué le rôle de Cécillon sur les indications que celui-ci a bien voulu lâcher, mais enfin avec beaucoup de réserve. Et on le comprend, mais je trouvais que c'était intéressant. Stratégiquement, alors qu'il avait vraiment joué le jeu jusque-là. Il avait tout accepté, il donnait même des détails. Je pense que c'est fort, d'abord dans la symbolique, d'abord dans le fait aussi de dire j'étais pas moi-même, ce que j'ai fait, je ne sais pas si je l'ai vraiment fait, en quelque sorte. Vous me dites que je l'ai fait, je vous crois, mais voilà, j'étais plus moi-même, donc je peux pas le refaire. Je peux pas refaire ça. Et il y avait aussi le rapport à l'image. Parce que Marc Cécillon étant la vedette de Bourgoin,
La presse était présente à la reconstitution, même si les gendarmes avaient fait en sorte de dresser des bâches sur peut-être 3 ou 4 mètres de hauteur autour de la propriété. Le champ voisin étant en pente descendante, il y avait une vingtaine ou trentaine de journalistes avec des téléobjectifs. Et donc, on a vu paraître dans la presse 2 jours plus tard des photos de Marc Cécillon menottées avec les gendarmes à côté au moment de la reconstitution et des avocats autour. Évidemment, il n'aurait pas été bon pour lui de le voir avec une arme. Et je pense que, de façon un peu superstitieuse, mais aussi un peu défensive, le fait de ne pas vouloir toucher l'arme, le fait de « non, je ne veux pas recommencer ça », ça laisse encore pour lui la possibilité de se dire « je ne sais plus ce que j'ai fait ». S'il était confronté à la réalité, ben, « tu sais ce que tu as fait puisque tu viens de le refaire hein ». Il ne peut pas dire à ce moment-là « à jeun, j'ai oublié ». Donc ça m'apparaît une façon de mettre à distance. Il ne voulait pas revivre ça. Les faits étaient reconnus. Et les faits sont d'une, hélas, d'une simplicité brutale. On tend avec un revolver, on est à 1m50 et on va vider donc un chargeur. 1m50 de distance, si vous voulez. Donc c'était l'essentiel. Mais ensuite, avec le recul du temps, les mois donc, de détention, on lui redemandait de refaire ces gestes-là. Mais à lui, à quoi bon ? En première instance, le réquisitoire de Madame l'avocat général était d'une peine de 15 ans. En sollicitant que soit retenue la préméditation, l'arrêt de la cour d'assises de l'Isère, c'est effectivement la préméditation qui est retenue, mais une peine supérieure à ce qui avait été requis, 20 ans. C'est vrai qu'on a l'impression que l'avocat général demandait que soit prononcée une condamnation de principe. Que, au vu des circonstances des faits, comme il y avait toute une discussion factuelle et juridique sur la préméditation, elle devait être retenue, mais que les circonstances pouvaient permettre de prononcer une peine plus basse que la norme, enfin entre guillemets, la normalité en matière d'assassinat. Et donc déjà, peut-être que pour les jurés, s'ils ont entendu préméditation, c'est pas illogique qu'ils soient... Enfin, 20 ans n'est pas une peine illogique pour un assassinat. 15 ans, c'est plus rare, enfin ça paraît plus rare. Plus 15 ans, c'est des peines qu'on prononce pour des meurtres. Donc sans préméditation. Peut-être que c'est cette ambiguïté du réquisitoire qui n'a pas été compris aussi par les jurés. Pour moi, cette peine est incompréhensible. Elle est incompréhensible. Je n'ai pas à juger donc, ou à jauger donc, de cette peine, mais au premier procès, je ne voyais pas cette peine. Voilà. Les jurés, de manière souveraine, ont statué dans le secret de leur délibéré. Et je ne connais pas les ressorts et ce qui les a conduits à prononcer cette peine. À aucun moment, moi, mes clients m'ont dit « j'espère qu'il va prendre 20 ans, j'espère que... » Jamais, jamais, jamais. Paradoxalement, ils étaient à la fois soulagés parce que la sanction était importante, donc ça marquait la gravité des faits qui avaient été commis, la mort de Chantal. Donc de ce point de vue-là, ils avaient le sentiment d'être un brin réparé. Et en même temps, ils se disaient « mais 20 ans, c'est vraiment long ». Et les filles, enfin notamment Angélique, qui disait, mais elle, c'est pas ce qu'elle souhaitait. Et du coup, cette famille s'est retrouvée aussi dans une situation complexe. J'ai trouvé que la condamnation à 20 ans était une condamnation lourde. Parce que je savais, sans connaître le dossier, que c'était une affaire passionnelle. Je trouvais que 20 ans, dans un dossier de cette nature, c'était une peine exorbitante. Mais c'est une appréhension qui n'était fondée sur rien d'autre que sur la lecture de ce que j'avais pu, des articles consacrés au dossier. On est dans la situation la plus insupportable qui soit, avec le reproche de dire « tu nous as rendus orphelines de notre mère ». Et on l'est aussi par ricochet orphelin de notre père parce que tu vas partir donc en prison. Quelque part, tu nous as abandonnés. Et le mot, c'est pourquoi ?
C'est pourquoi. Mais il y avait donc deux façons de dépasser les choses. Il y avait donc le pourquoi en y apportant une réponse, en disant « j'ai rejoint mon camp, tu es ma mère, pour l'instant je ne te le pardonne pas », et le deuxième camp, « je reste ta fille ». Je reste ta fille. Entre la mère qui est victime et le père qui est auteur, oui, c'est le conflit de loyauté et la façon dont chaque être le règle, ce conflit. Je pense qu'à l'évidence, les deux aiment leur père. L'une a choisi la voie du pardon, l'autre, à cette époque du procès, est incapable de pardonner. Mais on les sent en souffrance, toutes les deux. D'abord, très proches l'une de l'autre, en dépit de ces divergences. Hein, ensemble, elles sont très liées. Mais elles n'ont pas, sur le fait criminel du père, à ce moment-là, le même regard. Je ne sais pas aujourd'hui comment elles ont évolué. J'en sais rien. C'est rare d'avoir cette image de deux sœurs qui sont très liées l'une à l'autre et qui sont à ce point dans des analyses différentes. Ça illustre très très bien la difficulté d'être à la fois fille de victime et fille de meurtrier. Le deuxième procès va marquer une forme de rupture, puisque Marc Sicillon décide de confier sa défense à un autre avocat qui est Maître Dupont-Moretti, que vous connaissez, j'imagine, tous et toutes. Alors, on va voir un court extrait d'Éric Dupont-Moretti, d'un peu moins de 4 minutes. Vous allez l'entendre expliquer comment il a abordé ce dossier, comment il a abordé la dimension psychologique de l'état de Marc Sicillon, et comment il a abordé aussi le problème juridique, cet aspect de la préméditation. Voilà. Alors, elle va se construire par opposition au premier procès. Parce que, naturellement, là, je m'intéresse de plus près à la situation de cet homme, et je découvre que c'est pas l'homme qu'on a jugé, mais le capitaine de l'équipe de France de rugby. Et alors, il y a des choses qui me sidèrent. Par exemple, dans le premier procès, il arrive dans le box avec sa veste de capitaine de France de l'équipe de rugby. Et tout le rugby français va défiler comme un seul homme pour dire du bien de lui. Et donc, j'ai l'idée, confuse d'abord et précise ensuite, que ça ne peut que l'avoir considérablement éloigné des jurés. Voilà, il y a une espèce de barrière dont il est lui-même l'auteur, enfin lui ou son système de défense de l'époque. Et moi, je veux absolument abolir ces barrières, les démolir, et je veux qu'il se présente comme un homme ordinaire. Voilà, c'est peut-être le capitaine de l'équipe de France, ou l'ancien capitaine de l'équipe de France de rugby, mais c'est d'abord un homme ordinaire. Et c'est l'histoire de la chute d'un homme ordinaire. Donc je veux que le procès, pour reprendre une expression que j'ai volée à Gilles de Bernardy, c'est un procès que je veux à hauteur d'homme. Voilà, il faut le faire descendre des limbes de l'Olympe sportive dans lequel on l'a installé. Donc il ne viendra plus avec le coq, il n'y aura plus un seul rugbyman, je n'ai absolument pas envie qu'il vienne, et pourtant tout le monde va frapper à ma porte. Et je ne fais citer personne comme témoin. Il y a dans ce procès Sicillon, la mémoire de son épouse et ses filles, et sa belle-mère, et quelques parents et quelques amis. On sent bien ici qu'on rejette complètement l'aspect rugbyman, professionnel, la star, et qu'on repart vraiment dans le côté de l'homme. Comme tout le monde, quoi. C'est ce qu'on disait ce matin, on s'identifie au jury, on oublie l'aspect le coq sportif. Quelque chose qui me fait un petit peu bizarre, c'est que finalement, c'est aussi un petit peu nier 15 ou 20 ans de la vie de Marc Sicillon, qui a été quand même un rugbyman professionnel et qui a voué sa vie au rugby pendant 15 ou 20 ans. Et quand on ne parle pas de ça, finalement, on passe sous silence
une partie de sa vie qui peut-être aussi est importante à évoquer. C'est juste, d'autant plus qu'au final, qu'est-ce qui a fait que cette déchéance a été si terrible ? C'est le contraste entre sa... D'ailleurs, l'expert psychologue l'évoque bien. C'est le contraste entre cette vie brillante et exposée et puis l'oubli, l'anonymat, et ce contraste a été très, très mal vécu. Mais je sais pas, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que du coup, l'axe de défense de Dupond-Moretti, c'est la chute d'un homme ordinaire à compter d'un moment T quand il arrête sa carrière. Je pense que pour expliquer la chute d'un homme, il faut que ceux qui ont à juger de cette dégringolade puissent trouver avec celui que l'on juge des points de similitude. Plus vous écartez les êtres, et moins ils se comprennent. Donc ça, je pense que c'était très important. Et puis ensuite, il y avait avant le crime et après le crime une telle attitude qu'on avait la certitude que cet homme n'était pas dans une froide détermination. Par exemple, après les faits, il a plongé sur le corps de sa femme et pendant de longues minutes, il lui adressait la parole. Alors qu'elle était morte. Il lui disait des mots d'amour. Et quand des gens qui ont assisté à la fête, là, parce que c'était une fête, ont voulu l'arracher du corps de sa femme, il en a envoyé quelques-uns au tapis et il y retournait. Il était dans une espèce d'état second. Ça a été décrit comme ça par l'ensemble des témoins. C'est un homme qui est un taiseux. Et c'est toujours difficile d'être un taiseux quand on comparaît devant la justice. Parce que la justice, elle exige des explications. Et il a fait tout un travail psychologique qui va lui permettre de livrer un certain nombre de choses. Autant il était emmuré lors du premier procès, de ce que j'ai pu en lire, de ce que m'ont dit des observateurs, journalistes pour la plupart d'entre eux, autant il était dans cette espèce de silence très très lourd, autant il a un peu libéré sa parole lors du deuxième procès, il a livré un certain nombre de choses. À la fois Dupond-Moretti est en effet un ténor du barreau, médiatisé, etc. Je pense peut-être, mais je ne veux pas parler pour lui, il a dû vous le dire, que ce qui a pu coller entre eux, c'est aussi finalement la façon dont Dupond-Moretti s'exprime. C'est-à-dire qu'il n'y va pas par quatre chemins, hein. C'est clair, c'est cash, c'est voilà. Et de ce point de vue-là, à mon avis, le dialogue entre Dupond-Moretti et Cécillon a sans doute été possible avec le maximum que peut offrir Cécillon. Donc on avait deux hommes. Dupond-Moretti, il peut être d'une grande finesse, mais s'il veut jouer aussi les rustres, c'est facile, hein, il y arrive très bien. Donc finalement... On avait deux hommes qui n'étaient pas si éloignés que ça l'un de l'autre. C'était, à mon avis, deux mondes qui pouvaient communiquer, qui pouvaient, là pour le coup, avoir une vraie stratégie de défense. Oui. Moi, je pense que la première stratégie de défense, elle n'a pas été organisée par Cécillon et son avocat, elle a été organisée par le monde du rugby, qui a eu la main, en quelque sorte, sur la défense de Cécillon. Alors après, ça aurait pu passer. Il se trouve que ça n'a pas marché, mais pourquoi pas, ça aurait pu, ça a été un choix de défense à un moment, mais à mon avis, Cécillon n'a pas vraiment eu la main là-dessus. Alors qu'après, vraiment, je pense qu'ils ont complètement recentré, hein, ça a été les propos de Dupond-Moretti, de toute façon, dans sa plaidoirie, je plaide à hauteur d'homme, hein, c'est-à-dire que moi, le monde du rugby, je m'en tape, quoi. Moi, c'est un homme que j'ai devant moi. Et ça, oui, du coup, il a complètement recentré là-dessus, il a vraiment été aidé par Cécillon, qui avait fait un travail relativement considérable sur lui-même. Et du coup, la justice a pu passer normalement, quoi, finalement. C'est vrai qu'Annie, tout a changé. Mmh. L'ambiance générale, le temps avait passé. Moins de témoins convoqués, que ce soit des témoins proches du couple ou les vedettes du rugby, il n'y en avait plus. Mmh. On jugeait l'homme, on ne jugeait plus le rugbyman. Et même la presse, le sujet était moins brûlant, puisqu'on était encore 2 ans plus tard, 4 ans après les faits. Il avait déjà été condamné. Alors évidemment,
Notre confrère Dupond-Moretti arrive, forcément les caméras sont là, mais on est dans une espèce d'ambiance, et même la présidente d'audience, elle est moins sous pression que le premier procès à Grenoble. Et tout va s'en ressentir. Et donc on abordera ce procès, et même les parties civiles, maintenant elles savent comment ça se passe, une cour d'assises, elles savent à quoi s'attendre. C'est moins traumatisant le deuxième procès que le premier, même s'il faut se replonger dans cette horreur. On sait où on va. Donc, tout est abordé, c'est pas 5 jours, c'est 3 jours. Vous voyez, tout est plus ramassé et peut-être plus appréhendable d'une façon sereine. Tout est remis à échelle humaine, finalement. Et puis, c'est vrai que le président des Assises de Grenoble n'était pas non plus un grand communicant. C'est vrai. Et que face à un Cécillon, autant dire qu'il a été dans l'impossibilité de lui arracher le moindre mot, vraiment, la moindre émotion, et de faire jaillir quelque chose de l'ordre, oui, de l'humanité, quoi. Et que Cécillon est apparu comme la pierre, voilà. Et ça, ça lui a valu aussi, ça a rajouté, je pense, à la sanction. Alors qu'on est tombé sur une présidente, voilà, à l'audience de Nîmes, une femme qui, elle, avait de l'empathie et a su aussi l'aider, lui, dans l'expression des choses. Et les parties civiles que nous étions attendaient ça, quoi. Ça faisait 4 ans qu'elles attendaient, quand même, à un moment, même si ces filles le connaissent, tout le monde le connaissait. Donc tout le monde savait ses limites, quoi. Personne ne s'attendait non plus à des grandes déclarations. Mais quand même, devant l'horreur de ce qui s'était passé, devant leur douleur, leur chagrin, ils avaient besoin d'entendre Cécillon pouvoir dire « c'est affreux, mais j'aimais votre mère ». Et il a pu le dire. Ce qu'il n'avait jamais pu dire auparavant. Ah si, il disait, mais froidement, de manière un peu comme dans un livre, quoi. J'aimais Chantal, bon, mais on sentait que ça ne venait pas des tripes. Et là, on a eu le sentiment quand même, à des moments, qu'enfin, oui, il était capable de lâcher des choses. Donc c'était le jour et la nuit, les deux procès. C'était pas le même procès. Ah non. Ont mûri aussi et elles ont changé et notamment une, Angélique, va dire moi j'ai besoin de mon père, il me reste plus que celui-là comme parent, et alors qu'elle était on va dire à charge sur le premier procès, en appel, elle va avoir un discours radicalement différent et elle va avoir un discours d'apaisement en demandant au juré de ne pas être trop sévère parce que c'est le seul parent qui lui reste. Ça a joué, ça s'inscrivait aussi dans son parcours personnel à elle, puisqu'entre temps elle est devenue mère. Qu'ils expliquent. Oui, c'est vrai, tout à fait. Qu'ils expliquent qu'elle a présenté son enfant à son père en prison et tout ça. Donc je pense que c'est aussi des parcours de vie qui continuent. Le temps a passé et c'est vrai qu'on voit que la justice a besoin de temps. Et les gens qui sont jugés ont besoin de temps. Les plaignants ont besoin de temps aussi. Le temps judiciaire n'est pas qu'une perte, n'est pas qu'une. C'est aussi très constructif. Alors le résultat. Si on reprend les comptes rendus d'audience, est assez étonnant parce que l'avocat général requiert cette fois 20 ans, la peine qui avait été prononcée en première instance, en sollicitant que la préméditation soit retenue, ce qui m'apparaît, moi, assez cohérent, et les jurés ne suivent pas, c'est une peine de 14 ans qui est prononcée en enlevant la préméditation. Donc on retombe quasiment sur approximativement sur la première peine qui avait été requise, sauf que la préméditation, cette fois, n'est pas retenue. La préméditation, c'est la préparation d'un crime. Mais c'est la préparation d'un crime dans la détermination et la froideur. Et tout dans ce qu'a fait cet homme démontre qu'il est complètement perdu. Qu'il est ailleurs. Les experts psychiatriques me le suggèrent, ça. Quand il quitte sa femme pour aller chercher l'arme, ce qui pourrait constituer matériellement une préméditation, mais psychologiquement sûrement pas, il va trouver le moyen de causer un accident. Quand il va prendre l'arme, il va trouver le moyen de tirer au plafond, ce qui démontre que cet homme est hors de lui et que cette signature criminelle n'est pas la signature criminelle de quelqu'un qui a pensé, mûrement réfléchi, froidement réfléchi. Ça, je le plaide et je serai suivi. Il sera condamné pour meurtre et la cour d'assises dira non.
à la circonstance aggravante de l'assassinat. L'enjeu juridique, le débat sur la préméditation est primordial. Parce que si vous enlevez la préméditation, vous pouvez retomber sur une peine qui correspondrait à la peine requise par l'avocat général. On sent que c'est quand même très difficile de qualifier la préméditation d'un point de vue juridique. On sent que ça se base quand même assez souvent sur des éléments factuels et que du coup, l'interprétation qu'on peut en avoir va varier d'une personne à l'autre. Peut-on avoir un coup de folie au long cours comme ça sur près d'une heure et être assez organisé dans la préparation des choses, récupérer le pistolet Et apparemment, il y a un témoignage très intéressant d'un docteur qui connaissait très bien l'accusé et qui en appelle a dit « Mais écoutez, le problème, ce n'est pas la durée. C'est le sang-froid. C'est le sang-froid au moment du... Avait-il son sang-froid ? Et c'est vrai qu'on peut en douter dans la mesure où ça s'est passé dans un banquet, devant un parterre. Et qui semble avoir des trous noirs en plus. Mm. Donc, pas être conscient tout à fait de ses actes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, si c'était vraiment un crime prémédité, si on a le dessein d'assassiner sa femme, on le fait peut-être pas devant 50 témoins au milieu d'une soirée. Vraisemblablement pas, oui, c'est sûr. c'est ce qui était un peu antinomique aussi. Ça met aussi en lumière, me semble-t-il, les circonstances du banquet, tout ça, l'état dans lequel se trouve Marc Cécillon au moment des faits, qui est quand même un état un petit peu, entre guillemets, à côté de lui-même. Il se fait rejeter de la soirée. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces trois quarts d'heure? Finalement, je pense que l'accusation n'a pas réussi vraiment à établir, puisqu'on retrouve un impact de balle dans la maison, dans le plafond de la chambre. On retrouve d'autres... A-t-il tenté de se suicider? C'est ce qu'il dira, oui. Voilà. On a également découvert que dans le garage, il avait, en rentrant chez lui, brisé le phare de sa voiture. Donc on imagine qu'il est dans un état... De tension, de mal-être, de difficultés intérieures. Et moi, je pense qu'il est difficilement compatible avec un dessein criminel, froid, on prend quelque chose, on pense et on exécute. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne, comment ça marche pour prononcer une peine, est-ce que vous avez une idée un peu? Il y a l'avocat général qui fait ses réquisitions et donc qui demande une qualification juridique et une peine. Oui. Ensuite, il y a les plaidoiries de la défense. N'oubliez pas la démonstration de culpabilité, mais là, elle était évidente. Oui, voilà, la démonstration de culpabilité. Puis ensuite, les plaidoiries de la défense, puis ensuite... la cour se retire pour délibérer. Alors comment il se retire, à votre avis? Il se retire seul? Il se retire avec des éléments du procès? Qu'est-ce qu'il garde? Il me semble surtout que le président, à la fin du procès, va poser des questions auxquelles devront répondre les jurés pendant leur délibéré. Oui, c'est sous forme de questions, effectivement. Ouais, voilà. Et donc après, il y aura des réponses oui ou non. Et qui, du coup, détermineront la qualification et la peine retenue. Alors, la peine, non. Les questions ne concernent pas la peine. Non. En fait, les questions concernent la qualification juridique. Mmh. Donc, là, pour une affaire d'assassinat, on dirait, voilà, y a-t-il eu homicide? Oui, non. Et cet homicide a-t-il été commis avec préméditation? C'est l'architecture des questions qui auraient pu être posées à la cour d'assises. Donc... s'il y a deux fois oui, ça veut dire que l'assassinat est retenu. S'il y a seulement oui sur le meurtre et non sur la préméditation, ça veut dire que la préméditation est écartée par la cour d'assises. Mais reste après le moment de décider quelle peine. Et là, c'est vrai que, bon, on n'est pas dans le secret du délibéré, mais alors le code de procédure pénale organise quelque peu les choses. Donc ce qui est important de savoir, c'est que la cour d'assises se retire, donc les trois juges professionnels, le président et les deux assesseurs, ainsi que les jurés, se retirent sans le dossier. Alors après, sur la peine, comment la peine sort? Le principe est qu'on part de la qualification la plus haute, et donc de la peine encourue la plus haute, et qu'on descende année après année jusqu'à avoir un consensus. Donc on répond oui ou non aux questions, et ensuite, on regarde la qualification
adapté en fonction de ce qui a été répondu aux questions. Et puis on descend, année par année, jusqu'à... Ce qui explique qu'une cour d'assises, le jury et les magistrats, puissent ne pas du tout suivre l'accusation. Dans un sens, plus bas, ou dans un sens, plus haut. Ça, les deux sont possibles. Dans la dimension médiatique d'une affaire, je pense qu'il faut avoir à l'esprit que les avocats n'ont pas droit à l'erreur. Ça, c'est là-dessus qu'il faut vraiment être imprégné de cela. Le moindre faux pas, le moindre travers, la moindre erreur est tout de suite répercutée, amplifiée, débattue, discutée. Dans une affaire, on va dire, anonyme, vous n'avez pas cette pression-là, cette contrainte-là. Justement. Elle est difficile à se représenter, mais elle est parfaitement là. Comme vous venez de le dire, c'est justement difficile de savoir ce qu'il faut faire pour gérer les médias correctement. Donc on n'est pas à l'abri d'un faux pas qui peut être préjudiciable pour l'avocat et pour l'accusé. C'est pour ça que la décision, elle est terrible à prendre pour la défense. Il faut vraiment en parler avec la personne que l'on défend, en discuter ensemble et concevoir les choses ensemble. Mais c'est vrai que c'est périlleux. Nous, on n'avait pas du tout d'enjeu sur le quantum de la peine à aucun moment. Donc on savait, oui, que ça allait diminuer et que ce serait accepté. Le juste milieu est difficile à obtenir parce qu'une peine trop douce les aurait convaincus qu'on faisait mourir leur mère une deuxième fois et que ce n'était pas admissible qu'il n'y ait pas une condamnation quand même sévère parce que les faits sont horribles. Mais une peine trop sévère les privait de leur père trop longtemps et elles estimaient que c'était aussi injuste. Donc il fallait arriver à une moyenne. Et quand la défense a plaidé, Dupond-Moretti a plaidé à citer des décisions dans lesquelles la personne poursuivie a été condamnée à 8 ans pour drame passionnel, moi je me suis dit c'est pas possible, on va quand même pas descendre à des peines pareilles. Bon, heureusement, la Cour a donné une peine quand même assez sévère. Ce que, après, quand on réfléchit sur le système judiciaire, c'est vrai que les 14 ans, ils vont se transformer en 8 ans accomplis. L'aspect qui me frappe le plus, c'est que je réalise presque en regardant la manière dont ont travaillé les confrères, que défendre, c'est aussi c'est cet aspect de choix. Et choisir, c'est renoncer. Donc il faut à un moment donné faire un choix qui peut être brutal, renoncer à évoquer telle et telle chose pour insister sur un autre aspect. Et qu'on le voit bien dans cette affaire où chacun des avocats a fait des choix qui étaient assez radicaux. Choisir de faire venir des témoins, en première instance, des témoins du monde du rugby. Peut-être on n'aurait pas compris qu'ils n'y soient pas en première instance. Le confrère n'avait pas fait venir ses témoins, on aurait dit mais comment la défense ne fait pas citer de témoins, scandale, etc. Et en appel, un choix radical de rester et de centrer sur l'intimité de la vie de Marc Cécillon, ce procès, de le centrer sur cet aspect-là des choses. Et comme le dit Éric Dupond-Moretti, la mémoire de cette femme, les enfants et Marc Cécillon. Et donc, pas de témoins du monde du rugby. Et on voit bien que la difficulté est de faire un choix sans savoir à l'avance comment ce choix va pouvoir évoluer, soit favorablement si les choses tournent bien, soit ça peut s'avérer être néfaste. C'est défendre pénalement quelqu'un, c'est vraiment aussi essayer de dégager les lignes forces d'une affaire et vraiment tout se concentrer sur ce point précis. On ne peut pas faire comme font les avocats civilistes qui disent, voilà, ma première hypothèse, c'est celle-là. Mais si ça ne marchait pas, en second, j'aurais telle autre hypothèse qui pourrait aussi convenir. L'analyse juridique en troisième hypothèse, si par extraordinaire, vous ne me receviez pas dans la première et deuxième version, j'ai encore ça comme parachute de secours, etc. Impossible au pénal. C'est inaudible, parce qu'on penserait que l'avocat ne croirait pas la première version qu'il aurait soutenue. Donc,
le pénal, la défense pénale et encore plus, à mon avis, la défense criminelle impose des choix radicaux. Et le malheur est qu'on ne peut jamais savoir si on a bien fait avant que de voir le résultat de nos choix, quoi. L'idée que la justice peut effectivement se tromper, enfin, c'est vertigineux de penser qu'on est passé de 20 à 14 ans, qu'il s'agit du même dossier, du même homme, mais que parfois la présentation d'un accusé peut avoir un tel retentissement dans le verdict à intervenir. Ça, c'est quelque chose qui moi, avocat, me pose question en dépit de l'habitude qui est la mienne. Effectivement, je trouve que ça tient parfois à quelques détails, à une présentation, à une appréhension de la situation. Donc c'est éminemment fragile. Enfin, c'est cette idée forte que la justice peut être merveilleusement humaine ou terriblement inhumaine. On représente quelque chose d'important dans la société. Porter la robe, c'est pas anodin. C'est représenter un certain nombre de valeurs. C'est en quelque sorte être un peu en opposition par rapport au pouvoir. Nous sommes la dernière voix des sans-voix. Si les avocats restent les porte-parole des sans-voix, nous sommes en conformité avec notre serment.